Santé, nous avons choisi d'aider les jeunes du cyclisme, car nous avons beaucoup d'actions de prévention, côté sport, côté activité. Et bon, il faut dire aussi que quand le dirigeant aime le vélo, ça aide, et nous avons toujours souhaité encourager cette jeunesse qui a choisi des loisirs sportifs, des loisirs qui nous passionnent et aussi des loisirs qui nous font vibrer. Oui, VCN Industrie donc, a décidé d'investir donc, sur la jeunesse et le sport parce que le vélo est une bonne image et de la valeur qui manque aujourd'hui, hein, la valeur de base, hein, l'effort et la récompense derrière. Donc. Le contre-la-montre pour nous, c'est une épreuve un peu reine, c'est une épreuve de l'effort individuel. C'est une épreuve individuelle mais qui aussi permet de valoriser l'équipe. Et ça nous rappelle un peu l'entreprise où chacun fait un effort pour amener la bannière de son entreprise au résultat. Et c'est vrai que cette façon de courir et sur ce territoire local à côté, pour nous, ça nous a beaucoup plu et on aime bien être proche de ces valeurs. Cet esprit de groupe à travers ce contre-la-montre par équipe reflète tout à fait l'esprit, en tout cas, de notre société VCN Industrie et l'esprit en général de la réussite. Je pense qu'il faut absolument que les gens aient ces valeurs-là pour réussir dans la vie, et la preuve entre notre société aujourd'hui qui explose et qui représente un petit peu ces valeurs-là.